Nigeria va-t-il s'en sortir en voiture? Victor Osimhen, non, ça lui passera pas, le Nigeria qui ne marquera pas, en tout cas pas sur cette action. Et encore une dernière à venir certainement avec Joe Haribo dans la surface. Il répare sur la technique de Haribo, le centre en train de sacrifice défensif de Akapo. Super tacle défensif d'Akapo là pour essayer de casser un peu le rythme parce que voilà, ils ont envoyé les coups de toutes parts. Les Super Eagles, mais je veux dire, personne n'a été capable de prendre sa responsabilité, tirer au but de façon concrète. Il y a eu beaucoup de tergiversations, le ballon qui a traîné là, dans les 7m50. Et là, ça ne veut pas rentrer, hein. Il y a encore un dernier espoir pour le Nigeria. Non, il n'en mourra plus, la Guinée équatoriale qui tient le Nigeria en échec dans cette rencontre, même si Victor Osimhen a marqué et égalisé pour le Nigeria. Les Nigériens n'auront pas été très très efficaces offensivement. C'est une bonne équipe, nous allons nationale. Effectivement, c'est le coup presque parfait réalisé par les hommes de Juan Mika Obiang cet après-midi sur la pelouse du stade Hassan Ouattara des BMP. Ils ont tenu en échec cette équipe du Nigeria là où on attendait effectivement à ce que les Super Eagles écrasent ou marchent sur cette équipe du Nzalang National. Ils font une entrée en matière qui augure de lendemain très positif. Cette équipe du Nzalang National, contrairement aux Super Eagles qui vont devoir déjà se confronter aux éléphants de Côte d'Ivoire, et ils peuvent très rapidement basculer d'un côté ou de l'autre de la positivité dans cette compétition. Ah, et le deuxième match du groupe A de cette Coupe d'Afrique des Nations, hein, qui s'achève par ce match nul entre le Nigeria et la Guinée équatoriale. Le prochain match, vous le savez, hein, dans cette Coupe, le Nigeria face à la Côte d'Ivoire et surtout la Guinée-Bissau face à la Guinée équatoriale. On a besoin de vous dire que ça sera sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, au cœur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nasser, rendez-vous déjà demain pour encore du football, du plaisir. Déjà tout à l'heure, deux gros matchs et trois gros matchs encore à suivre demain sur NCI. Allez, on se retrouve très bientôt. Excellent après-midi à vous, le football continue sur la nouvelle chaîne ivoirienne. À très vite. Bye bye.